Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du trailer de Kingdom Hearts 2.8 qui a été diffusé il y a quelques semaines déjà lors du Tokyo Game Show. L'objectif de cette vidéo en quelques minutes, qui sera donc assez courte, sera de vous présenter du coup ce trailer, mais également derrière de vous donner mon avis, puisque vous le savez, je suis un grand fan de la série des jeux Kingdom Hearts qui ont toujours eu des gameplays qui mélangeaient donc à la fois le style aventure et le style RPG à la perfection, avec toujours une histoire qui est sublime derrière. J'avais envie du coup de vous donner mon avis du coup sur ce trailer, je vous laisse le soin de le découvrir par la suite et je vous donnerai quelques explications sur celui-ci et mon avis juste derrière. Allez, à tout de suite. Only your heart is hollow enough to be a demon's. That's not true. My heart is strong. I'll prove it. Are you telling me that you think the world can be saved by just 7 people? We have to at least try. I want the 3 of us to form an alliance. But alliances are forbidden, Ased. Trust no one but myself. Which will lead to the Keyblade War. When you walk away, you don't hear me say, please. Don't even know who the traitor is yet! Didn't you think for a second that your actions could be making things worse than they already are? Guess you better get started then. Unfortunately, you'll have to go alone from here on. What about the others? Now I can be one with darkness. Aqua, are you okay? Okay then. Et voilà donc pour ce magnifique trailer qui met vraiment l'eau à la bouche. Alors je vais revenir point par point sur ce qu'on a pu voir du coup dans ce dernier. Je ne parlerai pas des autres trailers qui sont déjà disponibles sur le jeu, je vais me concentrer donc uniquement sur celui-ci. Et on va commencer du coup par l'annonce du coup du remake de Dream Drop Distance qui était sorti à l'époque sur 3DS, qui aura donc maintenant cette fois-ci un gameplay à la manette sur la PlayStation 4 et des graphismes en haute définition. On a quelques gameplays du coup dans ce trailer, j'y reviendrai juste après. En second, on a l'annonce de Kingdom Hearts 0.2 A Fragment Passage, qui est peut-être ce qui fait le plus rêver finalement les fans dans cette compilation, puisque on aura donc l'histoire d'Aqua, qui se situe du coup après Birth by Sleep, donc après qu'Aqua ait sombré dans les ténèbres, après avoir sauvé du coup la lumière de Terra, qui est ensuite devenue Ansem lorsqu'il a perdu le contrôle de son corps. Et pour terminer, nous avons du coup des cinématiques exclusives, hein, c'est des cinématiques qu'on ne peut pas retrouver autre part que dans cette compilation, sur Kingdom Hearts X, ou Kingdom Hearts Key, je crois qu'on prononce ça comme ça, qui sont juste magnifiques. Le tout du coup accompagné avec une nouvelle musique, enfin nouvelle à moitié, puisque c'est un remake de un remix de Simple and Clean, qui s'appelle donc Ray of Hope, qui est juste super pour le coup, je trouve que ça fait très, très été finalement dans les sonorités, donc ça, voilà, ça balance côté musique. Et du coup on a également aussi tout ça qui est accompagné de quelques magnifiques animations. Tout au début on a pu voir notamment Sora, Riku et Kairin sur la plage jeune, donc c'est le genre d'animation qu'on n'avait pas encore vu dans les jeux Kingdom Hearts. Donc voilà, finalement ce trailer est plutôt sublime. Tonight,
Voilà du coup pour l'aperçu global, je vais entrer un petit peu plus dans les détails maintenant en vous donnant mon avis sur toutes ces choses que j'ai pu vous énoncer juste avant dans la vidéo. Notamment, on va revenir dans un premier temps sur justement ces fameuses animations dont je vous parlais. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques et finalement, c'est dans la continuité des trailers, des cinématiques qu'on a déjà pu avoir finalement sur chacun des jeux Kingdom Hearts, puisque même le premier opus qui était sur PlayStation 2 avait des cinématiques qui étaient magnifiques à l'époque, ça faisait rêver les cinématiques qu'on avait sur ce Kingdom Hearts 1, qui est sorti pourtant il y a vraiment plus d'une dizaine d'années, c'est du délire finalement. Et année après année, donc jeu après jeu, ils ont réussi à s'améliorer, à aller encore plus loin dans ces cinématiques. Et là, franchement, on a seulement quelques secondes finalement, si on les sépare de ce trailer, quelques secondes d'animation. Mais voilà, c'est magnifique, ça fait rêver, et c'est d'ailleurs vraiment super qu'ils aient pensé à en mettre dans ce trailer, parce qu'ils auraient pu se contenter de mettre du gameplay derrière. Et vraiment, on voit que Square Enix a voulu finalement proposer quelque chose de qualité pour faire patienter jusqu'à la sortie de son jeu avec ce trailer. Donc c'est vraiment un très très bon point. Pour ce qui est maintenant du remake de Kingdom Hearts 3D, donc Dream Drop Distance, donc on a quand même une histoire qui est très importante dans ce Kingdom Hearts 3D, puisque c'est directement du coup la suite de Kingdom Hearts 2. Donc c'est vraiment important de comprendre et de connaître l'histoire de ce jeu-là avant de jouer notamment à Kingdom Hearts 3, lorsqu'il sortira bien sûr. On a aussi également du coup, comme c'est un remake HD, de meilleurs graphismes derrière, donc ça c'est vraiment un bon point, parce que sur 3DS, il y avait la 3D qui donnait un intérêt finalement au graphisme du jeu. Là finalement, on va avoir des graphismes voilà, qui sont prévus pour jouer sur grand écran, donc sur console, et forcément derrière, les quelques images qu'on a de ce lifting HD du jeu sont vraiment plaisantes pour le coup, et je pense, pour avoir joué déjà la version 3DS, qu'on appréciera d'autant plus le jeu avec ces nouveaux graphismes, malgré du coup la perte du côté 3D derrière. Et pour finir finalement, il faut également parler de cette jouabilité qui va changer, puisqu'on avait donc un jeu qui était sorti sur 3DS, sur console portable. Pour le coup, la jouabilité était vraiment sympathique à l'époque, j'avais pas particulièrement galéré lorsque j'avais joué à la version 3DS, mais je pense, et je pense que tous les joueurs console seront d'accord avec moi, que le gameplay à la manette sera beaucoup plus finalement simple, beaucoup plus facile à prendre en main, beaucoup plus intuitif, et finalement se portera beaucoup mieux à ce genre de jeu, parce que Kingdom Hearts ce sont quand même des jeux d'action. Donc forcément, lorsqu'on peut diriger la caméra plus facilement, lorsqu'on peut diriger plus facilement les actions de notre personnage, ben on se retrouve derrière avec un gameplay qui est beaucoup plus plaisant. Donc je pense que c'est une très bonne chose de ressortir ce jeu-là sur console. Et dans un second temps, et ce qui fait peut-être tout l'intérêt de cette compilation, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est la présence de ce Kingdom Hearts 0.2 Fragment Passage, dans lequel on pourra donc incarner Aqua. Finalement, ce gameplay, ce petit jeu, comme on peut l'appeler, et il faut le dire, un amuse-gueule, un échantillon de ce qu'on va pouvoir retrouver lorsqu'il sortira dans Kingdom Hearts 3, puisque ce que vous voyez côté gameplay, ça utilise en fait le même moteur graphique qui sera utilisé dans le prochain Kingdom Hearts, donc dans Kingdom Hearts 3. On peut supposer également que le gameplay sera à peu près identique. Il faut savoir que j'ai déjà joué à ce Kingdom Hearts 0.2, j'y ai déjà joué, alors je n'ai pas terminé forcément puisque j'ai joué qu'à une démo, j'y ai joué lorsque Square Enix m'avait proposé de me rendre du coup à Londres pour tester le jeu. Et franchement, le gameplay, justement, pour en parler, est vraiment très plaisant et finalement assez proche de ce qu'on peut retrouver dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, donc quelque chose de très dynamique avec des compétences assez variées. Il s'avère que je pense que si le gameplay aussi est très ressemblant, c'est tout simplement parce que nous sommes au contrôle d'Aqua, donc forcément, ils étaient un peu forcés de remettre le même genre de compétences que dans Birth by Sleep, hein, vu qu'on jouait notamment Aqua, Ventus et Terra. Et côté graphisme également, pour avoir eu le jeu sous les yeux, même juste en se basant finalement sur ce qu'on voit dans le trailer, c'est magnifique parce que franchement, on est je pense un créneau au-dessus de ce qu'on a pu voir déjà dans Kingdom Hearts 2, ça passe vraiment un niveau au-dessus et on ressent finalement tout l'intérêt et toute la puissance des consoles nouvelle génération. Et pour finir, parce qu'il faut tout de même aussi en parler, les musiques et les bruitages me semblent aussi beaucoup plus soignés, donc là-dessus du très bon boulot également, et je pense que tous ceux qui vont jouer du coup à ce Kingdom Hearts 0.2 n'auront qu'une hâte, c'est de justement mettre la main sur ce Kingdom Hearts 3 depuis le temps qu'on l'attend. Donc ça va être à la fois une joie incroyable que de tester ce petit jeu, et à la fois une souffrance inouïe, puisqu'on va devoir patienter encore derrière jusqu'à la sortie de Kingdom Hearts 3. Et pour finir dans cette compilation, nous avons du coup les cinématiques exclusives, qu'on ne peut voir donc nulle part ailleurs, de ce Kingdom Hearts X. À savoir que c'est un jeu un peu particulier, peut-être d'ailleurs que vous n'en aviez pas encore entendu parler, puisque c'est un jeu qui est sorti au départ uniquement du coup au Japon sur navigateur, qui est ensuite arrivé en anglais du coup également sur navigateur, et qui est ensuite ressorti dans le monde entier, cette fois-ci
sous forme d'une application téléphone. Donc c'est un jeu un peu particulier, un peu à part dans la licence, surtout que ça ne reprend pas finalement l'histoire du jeu, ou en tout cas c'est ce que je pensais visiblement, puisqu'on a quand même des cinématiques qui semblent tout de même assez importantes, hein, qui semblent déjà juste magnifiques, puisque forcément elles sont dans la lignée de ces fameuses animations qu'on a pu découvrir du coup dans le trailer, et qui ressemblent beaucoup du coup à ce qu'on retrouvera je pense dans Kingdom Hearts 3 côté graphisme et côté qualité d'animation. Et surtout on a une histoire finalement qui semble se dérouler, alors j'en suis pas certain, là je me base uniquement sur ce que j'ai compris de ces cinématiques, n'ayant pas joué au jeu, donc qui semble se dérouler par le passé, donc avant la guerre des Keyblades. Alors est-ce que ça expliquerait cette fameuse guerre des Keyblades qu'on ne voit pas tout simplement dans tous les jeux auxquels on a joué? Ça pourrait être très intéressant si c'est le cas. Je n'en sais pas plus à ce niveau-là, mais en tout cas de mon côté justement, en tant que joueur n'ayant pas joué à ce fameux Kingdom Hearts X, eh bien écoutez, je pense que ces cinématiques sont vraiment un grand plus parce que ça va permettre de pouvoir lever peut-être une voile d'ombre sur un jeu, et donc sur une partie de l'histoire qui est liée à un jeu auquel je n'ai pas joué, voilà. Et voilà du coup pour ce premier commentary de trailer, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça vous plaira, en tout cas de mon côté j'avais vraiment envie de vous parler de ce jeu là, du coup ça me semblait vraiment une bonne idée finalement de vidéo, de commenter comme ça un trailer, le temps de patienter finalement jusqu'à la sortie du jeu que je ferai bien entendu compter sur moi en vidéo. Si ce commentary vous a plu, si cet avis de trailer vous a plu, je pensais peut-être en faire un, soit entre le prochain jeu Pokémon, soit entre le prochain jeu Zelda. Du coup, au final, ce que je vous propose, eh bien, c'est de voter. Voilà, votez sur le prochain trailer que je vais commenter. Est-ce que vous préfériez qu'il soit sur le prochain jeu Pokémon qui sort finalement le mois prochain, ou est-ce que vous préfériez que je donne mon avis sur le trailer qu'on a pu découvrir lors de l'E3 par rapport à Zelda The Breath of the Wild? Votez du coup, c'est directement depuis la vidéo, vous cliquez soit l'un soit l'autre. On se retrouvera du coup en fonction, et eh bien écoutez, pour un nouveau trailer si ça vous a plu. Et d'ici là, et eh bien portez-vous bien, ciao tout le monde.